Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Sof1302, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pandac MC. Alors on se retrouve pour un nouveau LP, là je pense que je vais vraiment le tenir le LP sur ce serveur là. La première vidéo on est dans ma base, pour l'instant parce qu'après je vais rejoindre mon ancienne faction, mais vu que j'ai pas pu être modérateur du coup bah j'ai claim un upchunk pour faire ma petite base. Là, faut que je le régène, mais j'ai plus d'émeraude pour le régène. Faut que je fasse ça, mais vas-y, j'ai plus d'émeraude. Du coup, bah, pour l'instant, je me suis fait une petite farm ici, là. Voilà. Il me rapporte un peu de cactus et en gros, bah, un peu de monnaie, parce qu'il faut savoir que sur le serveur, le plus rentable, c'est le cactus et c'est la canne à sucre. Regardez, ça me rapporte ça. Là, quand je vends tout ça, ça me fait. Voilà, 2000 dollars dans mes poches avec un opère de farm. Je vais faire assez d'argent. On va essayer d'action les PNJ. Ouais, ça coûte cher. Pour régénérer un PNJ, ouais, je vais passer. Voilà, que ça pourra peut-être aussi régénérer les PNJ pour après commencer la farm pour les livres Punch 2 dans l'autre PNJ. Du coup, on va faire ça. Hop. Et on verra après si il a régène ou pas. Lui aussi, hop. Voilà. Comme ça, je crois. Normalement, il va régène et je pourrais refarm les frappes 2 parce que en fait, j'ai un PNJ frappe 2. Et du coup bah faut que je farme dedans pour me faire un peu plus d'argent pour après les revendre. Celui-là va voilà punch 2. Voilà, là j'ai une petite farm. Si c'est ce que j'ai pillé tout à l'heure. Du coup j'ai tué tout mon argent pour piller. Hop là aussi. Je vais vous montrer quand je prends du pillage. Quel pillage j'ai fait. Voilà ici. Pourra peut-être les piller après si je me fais encore 3000 de... si je me fais 3000 dollars. Est-ce qu'il me reste plus que ça? Est-ce qu'il y en a qui vendent des creepers? Personne ne vend des creepers. Après ça c'est le home. Voilà, sous les petites coordonnées, voilà. Petites coordonnées de base. Pied. Voilà. Hop. Bon, je vais, parce que j'ai pas envie trop de me faire à piller. Voilà, c'est une petite base comme ça que j'aime piller des fois. Bon, parce qu'on va tout revendre, tout ce qui n'est pas intéressant, comme ça se faire de l'argent. Et peut-être assez pour acheter un autre creeper. Parce que le creeper sur le serveur n'est pas du tout cher. Il s'achète à 3000 dollars au shop. Que ouais. Hop, ici qu'est-ce qu'il y a à vendre? Ça va, ça vend ça. Ça les citrouilles, ça se vend. Ça va, ouais, mais du coup ça se vend. Les os aussi ça se vend normalement. Avec ça je pense qu'on se fait à peu près 1000 dollars environ. Hop, on va mettre ça et ça. Après, on va aller là. Hop, on se vend ça. Après, ici, on va vendre tout ça. Hop, 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 on a aussi ça. Voilà, parce qu'après, on a mis 1000 dollars. Ouais, voilà. On peut beaucoup, beaucoup pour après. Acheter un creeper et après faire péter. Hop, d'autres petits cactus encore. Enfin, on essaye à faire les petits cannes à sucre qui est là-bas. Normalement, qui fait pour les livres. On va la casser, on va tout la revendre. Et aussi, dites-moi si vous préférez les vidéos pillage
objectif faction, objectif farm, du PVP, vous me dites ça dans les commentaires. Et après, j'essaierai de faire ce qui vous plaît le mieux. Après, on va ça. Voilà, normalement, là, c'est prochainement des creepers. Hop. Après, je sais plus c'est quoi le home sable. Pas bête, ça, c'est le home qui va là. Puis voilà. On va faire péter ici. Voilà, il y a deux, trois petits trucs. Oh, il y a des clés. Bien. On a deux clés fer que je vais ouvrir après, dès que je récupère tout ce que j'ai fait péter. Voilà. Pop. Bah, en même temps les ouais, non j'y arrive pas après ça. On fait un peu de pillage dans la vidéo. Et ça c'est cool. On a ce qu'il y a à revendre. Hop. Comme ça, c'est pas grave, on dira ça comme ça, c'est pas grave. Plus on a deux trois petits livres, ça c'est cool pour le PNJ là, donc pour les émeraudes. Hop, c'est la même base que je pille, c'est la troisième fois que je la pille. Après, j'irai ouvrir les clés, voir ce qu'il y a devant les mecs. Et les filles aussi, dites-moi dans les commentaires s'il y a des filles ou des garçons ou les deux. Voilà, comme ça on parle en même temps avec la communauté de la chaîne YouTube. Alors là, c'est l'autre côté, les caisses sont derrière, je crois, je suis pas sûr, sont derrière une maison. Non, ça c'est la forge. Là c'est quoi? Ah voilà, c'est les caisses. Mais normalement, quand on fait voir caisse, normalement les caisses ils sont derrière. On fait voir caisse, là elles sont devant. C'est la fatigue, hein. C'est la fatigue, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? Alors voilà, c'est pas un bon truc, pas un truc nul, que ça serait chiant d'avoir un truc nul. De l'or, on peut revendre, c'est toujours bien pour faire un peu d'argent. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre bien? Ok, ça c'est cool, un petit P3. Petit P3, ça on va directement le mettre dans le C. Hop, voilà, ah bah. J'avais pas vu, j'avais un autre creeper. Mais on va les faire péter ça tout de suite. Pour la vidéo, en plus ça vous fait un petit pillage, ça c'est cool. On va faire péter quand même quoi. Oh, de la merde. Du coup on va aller voir le home avec le home sable. Home sable. Je crois que c'est. Ouais, je pense que c'est le dehors de la base. Ouais, voilà. Dehors de la base qu'on vient juste de piller. Voilà. Très simple à rentrer dedans. Petit use bug crash crow et on est rentré dedans. Avec. Non, il n'est pas connecté avec Zolin. Link, le helper. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner. Et à plus!